FM, le journal. À Saint-Agbenin, un quartier du 7e arrondissement de la commune de Cotonou. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mardi 22 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération a animé une conférence de presse ce lundi 21 juin 2021. Face aux hommes des médias, Aurélien Agbenon aussi a fait le point de la participation du président Patrice Talon au 59e sommet de la CEDEAO. Au cours de la première journée de la composition du baccalauréat 2021, deux candidats ont été surpris en pleine tricherie. La scène s'est passée au centre de composition CG1 de Winky. Et puis les opérations de comptage des voix étaient en cours mardi en Éthiopie au lendemain d'élections cruciales mais incomplètes dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique en proie aux violences et à la famine, notamment dans la région en guerre du Tigré. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sedji. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. Deux candidats à l'examen du baccalauréat BAC 2021 ont été pris en pleine tricherie. Selon les informations reçues, deux candidats ont été surpris en train de tricher pendant la composition de l'épreuve de mathématiques au CG1 de Winky. Selon les faits rapportés, le premier candidat aurait déchiré son brouillon et copié les réponses pour ensuite les remettre au deuxième. C'est en recopiant que le second candidat a été pris en flagrant délit, rapporte notre source d'information. Renvoyé de la salle de composition, les deux candidats en série A2 risquent gros. Des sanctions pénales et administratives prévues. Au Bénin, les infractions commises lors du déroulement de l'examen sont punies. Des sanctions sont prévues par le code pénal et l'arrêté interministériel portant répression des fautes, fraudes, tentatives de fraude et autres infractions commises lors du déroulement de l'examen du baccalauréat au Bénin. Le code pénal prévoit une peine de 2 à 5 ans de prison avec une amende allant de 1 à 5 millions de francs CFA. Sur le plan administratif, l'arrêté interministériel prévoit une échelle de sanctions selon le degré de la faute commise par le candidat. Le directeur de l'Office du baccalauréat peut soit attribuer la note 0 au candidat dans l'épreuve concernée, soit annuler l'examen pour celui-ci. Le candidat peut être aussi interdit de participer au bac pendant 5 ans. L'examen national du baccalauréat, session de juin 2021, vous le savez déjà, a démarré ce lundi. À Cotonou, ils sont 11 335 candidats planchés pour le baccalauréat, session de juin 2021. Le lancement officiel au plan départemental a été effectué par le préfet Alain Sourou Orunla au CG Bégamin. Clémence Tournecoin. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat, session de juin 2021, ont démarré ce lundi 21 juin. Dans le département du littoral, c'est le préfet Alain Sourou Orunla qui a officiellement lancé la composition au CG Bégamin. Il apprécie l'atmosphère dans laquelle la composition se déroule. J'ai constaté que les enfants sont plus sereins, ils ont été bien préparés. Ils composent dans une atmosphère aussi détendue que l'année a été paisible et nous espérons que nous aurons le même taux de réussite dans le littoral. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a quasiment autant de filles que de garçons, ce qui confirme la tendance que nous avons observée au BEPC, à savoir une scolarisation de plus en plus massive de nos filles, de nos sœurs, et que cela est encouragé. C'est à encourager et j'espère que le taux de réussite des filles sera aussi brillant et éloquent que le nombre de candidates inscrites. L'intrusion de dames pluie, vous savez que sous nos cieux, c'est signe de bénédiction. Donc c'est une pluie pour rafraîchir l'atmosphère, rafraîchir
ouvrir les mémoires et raviver les connaissances. Le premier agent au maire de Cotonou, représentant le maire aux côtés de l'autorité préfectorale, est revenu sur les objectifs des travaux dirigés initiés cette année par la municipalité. On leur a dit nos mots d'encouragement et de rester serein, et ce n'est qu'une évaluation. Les travaux dirigés qui ont été initiés sont quand même les bienvenus pour galvaniser les enfants pour que, face aux épreuves, qu'ils s'en sortent vainqueurs. Après le sujet Bégamin, l'équipe préfectorale a fait le tour de quelques centres de composition pour s'assurer du bon démarrage de l'examen. On quitte le département du littoral pour celui du Koufo. C'est le collège d'enseignement général 1 d'Aplakoué qui a abrité ce lundi le lancement des compositions du bac session de juin 2021 dans ce département. À cette occasion, la superviseure représentant l'office du bac, le professeur Sylvie Dechacuse, a prodigué quelques conseils aux candidats. Suivons le reportage signé Jonas Bouchi. Et c'est parti pour les compositions de l'examen du bac session de juin 2021 dans le département du Koufo. Les filles ne font que 772 sur un total de 2938 candidats, soit un pourcentage de 26,27%. D'après le directeur départemental de l'enseignement secondaire dans le Koufo, ce taux est en nette progression par rapport aux années précédentes. Il y a eu une nette amélioration par rapport aux autres années. Dans les années antérieures, on tournait autour de 18%. Cette année, vous avez constaté qu'au PC, on est déjà à 46%. On a constaté également que cette amélioration est notée également au niveau du baccalauréat. Ces candidats sont répartis dans 5 centres, dans 8 séries. Particulièrement cette année, il aura la F4 et la F3. Sylvie Dechacus, superviseure et représentante du directeur de l'office du bac, félicite les acteurs impliqués dans l'organisation du bac dans le Koufo. Alors, le constat est que les autorités ont fait d'excellents travaux de préparation des candidats. Déjà, à notre arrivée hier, tout était en place. L'organisation, les salles bien éclairées, les copies d'examen préparées. Au commissariat, les cantines étaient là. Tout était bien scellé, tout en place. Ce matin, à notre surprise, à 6 heures, les candidats étaient déjà sur les lieux. C'est la preuve que les autorités ont fait le travail. Le grand challenge pour le préfet du Koufo, c'est que son département puisse améliorer son taux de réussite par rapport à l'année passée. Nous sommes venus pour dire à nos enfants d'être rassurés. Et nous avons dit d'être sûrs d'eux-mêmes, de lire les épreuves, de les relire, de tout faire pour que nous puissions gagner. Et afin de nous permettre de ne plus occuper ce rang-là dont vous avez parlé. Et nous ne serons plus sixième, nous serons premiers. Nous avons à remercier tous les acteurs du système éducatif, les associations des parents d'élèves, les enseignants. Tout cela contribue au succès de nos enfants. Et vous allez voir qu'ils vont réussir massivement. En ce qui concerne l'effectif des candidats par série dans le département du Koufo, la série D bat le record comme d'habitude avec 46,28% de l'ensemble des candidats. Les candidats de la série C ne font que 2,79%. La série F4 fait 0,76% et il n'y a aucune candidate dans la série F3 dans le Koufo. Merci à vous, Jonas Bouchi. Lors de la première journée de composition, un enseignant de PCT, physique, chimie, technologie, animateur d'établissement de la même discipline au CGE Zogbodomé et précédemment président du bureau communal de l'association béninoise des professeurs des sciences physiques de la commune de Zogbodomé, a été expulsé manu militari du centre où il devrait participer à la surveillance. Malgré ses explications et l'intervention de ses collègues, la directrice du CGE Boycon et chef centre du baccalauréat au CGE 2 à Bomé n'a pas obtempéré. Comme pour atteindre ses objectifs, elle a fait appel aux forces de l'ordre pour faire sortir le surveillant du centre. Handicapé, agent contractuel de l'État et régulièrement sélectionné par une décision ministérielle, le sieur Eric a été sans aucun doute victime de sa situation de handicap. Un acte qui relance le problème de l'exclusion des personnes handicapées au Bénin. Point de presse ce lundi 21 juin du ministre des Affaires étrangères de la coopération Aurélien Agbenonci. L'autorité ministérielle a opiné sur le 59e sommet de la CEDEAO tenu à Accra au Ghana le 19 juin 2021 qui a connu la participation du président de la République Patrice Athanase Guillaume Talon. Suivez un extrait de la déclaration au micro Diaspora FM de Clémence Tonoukouin. Les chefs d'État et de gouvernement, réaffirmant leur engagement à approfondir le processus d'intégration
en Afrique de l'Ouest ont procédé à l'examen et à la prise de décision sur des questions spécifiques ci-après. D'abord, sur la situation de la pandémie de la COVID. La conférence des chefs d'État a pris note de la situation de la pandémie de la COVID-19 dans notre région, qui révèle une stabilisation résultant des efforts déployés par les États membres de l'organisation ainsi que ceux de nos structures spécialisées qu'on appelle l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, OOAS. Elle a également pris note de la vaccination dans tous les États membres au moyen des vaccins fournis par l'initiative COVAX, dont notre pays fait partie, et ils ont salué la récente décision du G7 de fournir des vaccins supplémentaires aux pays en développement. Sur la situation politique dans la région, la conférence a réitéré ses préoccupations au sujet de la crise au Mali. À cet effet, la conférence des chefs d'État a pris note de la nomination du Premier ministre civil et de la formation d'un nouveau gouvernement et de l'engagement des autorités de la transition à se conformer au calendrier électoral, l'élection présidentielle étant prévue en février 2022. Concernant particulièrement la situation sécuritaire dans notre région, la conférence reste préoccupée par la situation sécuritaire. Elle a réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre le fléau du terrorisme et a fermement condamné la récurrence des attaques terroristes dans les pays de la ligne de front, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, ainsi que le Mali. Par ailleurs, la conférence a exprimé sa vive préoccupation quant aux effets déstabilisateurs des opérations des groupes de mercenaires venant de la Libye et appelle à une action internationale concertée en vue de la résolution urgente de cette question qui implique le désarmement des groupes de mercenaires dont je viens de parler. En ce qui concerne la sécurité et la sûreté maritime, la conférence a réitéré son appel aux États membres afin qu'ils mettent pleinement en œuvre les mesures adoptées au niveau national, régional et continental dans le but d'assurer la sécurité dans le golfe de Guinée. Sur la création d'une union monétaire, je voudrais vous informer que la conférence a décidé d'adopter le pacte de convergence de la stabilité macroéconomique entre les États membres de la CEDEAO, dont la phase de convergence couvre la période 2022-2026 et la phase de stabilité qui, elle, va courir à partir du 1er janvier 2027 au titre des réformes institutionnelles. La conférence des chefs d'État a adopté à l'unanimité la réduction à 7 du nombre de commissaires. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Par arrêté signé le 16 juin 2021, le préfet du littoral rend le port de casque obligatoire aussi bien pour tout conducteur que pour tout passager de véhicule à moteur à deux roues à Cotonou. Suite à la polémique suscitée par cet arrêté, le préfet apporte quelques clarifications. Interrogé sur cette actualité brûlante, Alain Sourou-Ronla expose le bien fondé de son arrêté, suivant le préfet du littoral. Si nous sommes convaincus par la nécessité que le port du casque préserve la vie du passager vaut autant que celle du conducteur qui d'ailleurs est le seul à savoir quand est-ce qu'il y a risque. Donc il s'est agi tout simplement de corriger une incongruité, à savoir que celui qui n'a pas la maîtrise du guidon ne soit pas exposé aux aléas de la circulation et que sa vie mérite également, plus que quiconque d'ailleurs, d'être préservée. D'où la nécessité de rappeler cet impératif aux usagers. C'est ça ce qui a motivé cet arrêté qui vient combler, je vais dire, un vide parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de base textuelle à cette obligation observée avec plus ou moins de discipline par les usagers. Donc, il s'agit ni plus ni moins d'une mesure pour préserver la vie parce que les motocyclistes sont les plus exposés aux accidents, ils sont les plus vulnérables. Et quand vous faites une chute, que vous retrouvez la tête sur le macadam, vous perdez la vie ou c'est un traumatisme crânien dont les conséquences sont parfois irréversibles. Alors, qu'est-ce que ça nous coûte de nous prémunir contre ce risque et préserver notre vie en protégeant la tête par le casque, ce qui se fait dans tous les pays civilisés. Il vaut mieux être en vie et affronter la cherté de la vie, comme les gens le déplorent, plutôt que de perdre la tête et donc de perdre la vie. C'est une mesure qui, pour nous, est impérative et elle ne relève ni de la punition, ni de la démagogie, ni du populisme, mais tout simplement qui résulte du respect que nous témoignons pour la vie des Béninois, la vie des Cotonois,
en particulier. Si l'on veut appliquer cette mesure simple, élémentaire, on trouvera toujours le moyen de le faire. Les Béninois sont astucieux. Ils sortent des schémas. Comment on fait si papa, maman et les trois enfants doivent voyager? Est-ce qu'on doit avoir 5 casques ou est-ce qu'on doit se retrouver sur la même moto? La moto n'est pas faite pour transporter les familles. Les motos sont conçues pour transporter 2 passagers. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Et la vie, la sécurité de la vie n'a pas de prix. Alain Sourourounla, préfet du littoral. Du nouveau dans l'affaire de vol de vivres de la cantine scolaire à Ouédémé. En garde à vue, depuis le samedi, les mises en cause dans ce dossier ont été présentées au procureur ce lundi à Lokossa. Le directeur d'école et le maître de cantine scolaire cités dans le vol de vivres sont déposés en prison. Selon les informations, le procureur, après avoir écouté les accusés, a décidé de les mettre sous mandat de dépôt. Le procès est prévu pour se tenir dans les tout prochains jours. Le directeur d'école et le maître de cantine ont été interpellés suite à la disparition d'une partie de vivres destinée à la cantine scolaire. Ils sont pour le moment les principaux accusés dans ce dossier. De source concordante, ils ont été surpris par les populations alors qu'ils tentaient de sortir quelques kilogrammes de céréales dissimulées dans des bidons. On revient maintenant à cet être très cher, incontestable et incontournable dans le foyer. Les pères étaient à l'honneur ce dimanche 20 juin 2021 sur le plan national et international. Pilier de l'autorité parentale, il ne saurait avoir une éducation équilibrée des enfants sans le concours d'un père. À l'occasion de cette journée qui célèbre les papas, nous avons réalisé un magazine sur la responsabilité paternelle. C'est l'ancien directeur d'école à la retraite, Euseb André Patinvor, qui a bien voulu partager son expérience en la matière avec nous. Une réalisation de Aimé Juste des Fodji que je vous invite à suivre. Instituteur de classe exceptionnelle à la retraite, père de 3 enfants, 2 garçons et 1 fille, Euseb André Patinvor occupe sa retraite dans son champ et avec ses petits-enfants. Pour le retraité, celui que l'on doit appeler père est bien défini. Un père, c'est quelqu'un qui éduque à être plus tard aussi père. C'est quelqu'un qui assure les 5 besoins fondamentaux de l'homme, à savoir se nourrir, se loger, se soigner, s'instruire, se divertir si vous voulez, pouvoir le faire dans les normes. Quelqu'un qui a un travail, qui se donne un travail, quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui sait aussi diriger son foyer, est un père. Je peux dire aussi que quelqu'un qui est un père, c'est quelqu'un qui sait s'asseoir et discuter et avec son épouse et avec ses enfants. Éducateur au service et à la maison, l'ex-directeur d'école estime que le boulot ne doit jamais prendre le dessus sur la responsabilité d'un père de famille. Car, précise-t-il, la famille est le devenir de l'homme. Il faut trouver alors l'équilibre et cela se planifie. Alors, moi, mon travail, ma femme aussi a son travail. Vous voyez, donc, chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice sans pour autant négliger le travail et négliger la famille. Alors, je m'explique. Moi, instituteur, je sais que je dois être à l'école à 7h, 7h30. Déjà, la veille, à quelle heure dois-je dormir, redimensionner, apprêter mes choses. Et c'est ensemble avec maman que nous apprêtons le début de la journée. Elle me dit ses activités, je lui dis les miennes et ensemble on fait le timing de la journée. Et puis le matin, avec les enfants, chacun est dans son activité, chacun va à son boulot. Le soir au retour, on fait un bilan pour savoir si la journée est bien passée, pour savoir si ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été les points perfectibles, ensemble on le discute. Une manière d'éduquer dont est fière la mère de famille, Elisabeth Tofio, épouse Patinvor, qui l'exprime avec gratitude après 40 ans de vie commune. J'adore la manière dont il éduque les enfants avec moi. Lorsqu'il quitte le boulot et me voit en train de corriger les enfants, il ne s'y oppose pas. Nous avons une même vision en ce qui concerne l'éducation des enfants. Il ne me demande jamais des comptes en la matière. Jean-Pierre Patinvor, fils du directeur Patinvor, est plus que reconnaissant d'avoir un père de cette trempe. Pour moi, mon père, c'est le meilleur papa du monde. C'est un homme avec qui j'ai un sentiment de sécurité. Il est adorable. D'abord, il est quelqu'un de très patient.
Il est très patient et c'est quelqu'un qui sait se maîtriser. Je crois que c'est quelqu'un qui s'énerve très vite. Quand il voit que vous ne respectez pas ses principes, il s'énerve très vite. Malgré toutes ses qualités, Jean-Pierre Kpatinvo a du mal à faire un choix entre son papa et sa maman. Les deux ont vraiment contribué à notre éducation, à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc honnêtement, c'est difficile de faire un choix. Mais qu'est-ce qui peut justifier l'attachement des enfants à l'un des parents au détriment de l'autre? La raison s'avère pourtant évidente selon le pépé de 65 ans. C'est la maman qui a porté pendant 270 jours, 9 mois l'enfant. C'est naturel que l'enfant l'aime. Mais s'il a un attachement avec l'enfant, il dialogue, il s'amuse avec lui, il est guide pour lui. Je pense que l'élève finit par aimer son guide s'il y trouve un intérêt. Et pour l'instituteur que je suis, quand vous vous amusez beaucoup avec les élèves, vraiment vous avez du mal à vous séparer d'eux, ils ont du mal à vous oublier. Moi je me rappelle encore le nom de mes maîtres du CI, du CP, du CME qui m'a beaucoup marqué, du CME qui m'a donné le CEP. Donc je veux les voir, il y en a qui sont décédés, mais vraiment, pour être un bon père, il faut dialoguer avec son enfant. La maman est en contact avec des enfants tout le temps, depuis la naissance jusqu'à l'enfance, on lui donne à manger, vous voyez, c'est un naturel. Mais pour que le père triche un peu ce rôle-là, il faudrait qu'il soit exemplaire, il faudrait qu'il travaille avec les enfants, il faudrait qu'il s'amuse avec eux, qu'il se promène avec eux, qu'il mange avec eux, et pas que seulement le bâton. Il faut nécessairement vivre la vie de l'enfant pour que l'enfant vous aime au même titre que maman. L'enfant est le père de l'homme, dit-on. Les enfants, notamment ceux du sexe masculin, sont souvent à l'image de leur père. Ce dernier a donc l'obligation d'être un exemple à suivre. Le père doit être exemple. Alors, on a beau chercher de l'argent, si on ne donne pas une bonne éducation à l'enfant, à partir de la maison et de par son travail, je pense que l'apport, tu as beau avoir toute la richesse du monde, et quand il n'y a pas une bonne éducation qui suit cela, un bon exemple qui suit cela, je pense que c'est l'éducation est ratée, l'instruction est ratée, la vie de l'individu est ratée. L'enfant a beau avoir une maman éducatrice ayant tous les moyens, si le père n'est pas là pour redimensionner, je pense qu'il y a un manque dans la vie de l'enfant. Surtout si c'est un garçon, quel exemple, quelle référence il a à travers son père. Il ne le manifeste peut-être pas assez, mais rien ni personne ne pourra remplacer l'autorité et l'amour paternel. Les nouvelles africaines et internationales. Direction la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo demande le divorce. Selon un communiqué signé de l'un de ses avocats, l'ancien président ivoirien a saisi un juge aux affaires matrimoniales ce lundi 21 juin 2021. Conséquence, selon lui, du refus réitéré depuis des années de Dame Simone et Yvette de consentir à une séparation à l'amiable. Laurent et Simone Gbagbo se sont mariés en 1989. Elle a participé à la fondation du FPI. Ce communiqué vient confirmer ce qui se murmure depuis des mois et que des images captées par des téléphones portables à la sortie de l'avion de Laurent Gbagbo, jeudi 17 juin, ont dévoilé au grand jour. Les jours prochains, nous édifierons et on reviendra sur cette actualité que nous allons suivre de près. L'Afrique du Sud a franchi une première étape lundi pour la mise en place d'un centre de transfert de technologie pour les vaccins anti-Covid à ARN messager, dotant ainsi le continent africain d'une capacité de production. L'annonce de lundi doit pallier à terme ce déséquilibre. Et pour mettre un terme à cette édition, les opérations de comptage des voix étaient en cours mardi en Éthiopie au lendemain d'élections cruciales mais incomplètes dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, en proie aux violences et à la famine, notamment dans la région en guerre du Tigré. Lors de sa désignation au poste de Premier ministre en 2018, Abiy Ahmed avait promis d'organiser les élections les plus démocratiques de l'histoire de l'Éthiopie. Le prix Nobel de la paix 2019 espère tirer de ce scrutin initialement prévu en août 2020, mais reporté à deux reprises en raison de la pandémie, puis de difficultés logistiques, la légitimité populaire qui lui fait défaut. C'est la fin de cette grande messe de l'information pour ce qui concerne la mi-journée de ce mardi 22 juin 2021. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde,
Emmanuel Agbodjelou. Merci également à Didier Guédou qui assurait la supervision technique, chef d'édition Dorcas Wangan. Aristide Setien était à la présentation. Merci de nous avoir suivis à tous et à toutes. Avant de partir, retenez cette citation de Joseph Joubert. Je cite « Tout ce que le père de famille dit aux siens doit inspirer l'amour ou la crainte. » Tout ce que le père de famille dit aux siens doit inspirer l'amour ou la crainte. On se retrouve dans 6 minutes sur l'émission Réagissons à l'actualité. C'est à 13h30. Et mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon et portez vos masques en tout lieu. À tout à l'heure. Diaspora FM et d'un TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Le terrain au Bénin et à l'étranger. Le terrain au Bénin et à l'étranger. Le terrain.